président Molococo DJ, Madame la gouverneure Karina Style, Monsieur le Premier ministre, selon la Constitution. Nous allons casser les papos, 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 papos. Bonjour chers papouas, bonjour chères papouases, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Le week-end fut chaud, cool, tranquille et aujourd'hui il y a dépaporisation. Les dossiers jonchent le long du plateau. Ben voilà, vous êtes sur NCI, la première chaîne, la seule chaîne qui va diffuser en exclusivité le Mondial FIFA Qatar 2022. La chaîne aux 2 millions d'abonnés sur Facebook. Des questions? Non, je ne pense pas. DJ Moulukoukou pour vous servir. Président élu démocratiquement à vie. El Peligroso. Ben voilà. À mes côtés, les membres les plus fidèles au président. Commençons par dire bonjour à madame le gouverneur de Gbere City. Racle un peu la gauche. Ah. Hey, Karina Style! Bonjour! C'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. En ta salade, tout était donné d'air. A Karina Style. Bonjour. Yo, wo. Yo. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bamba, nommé avec la plus haute spiritualité. Bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Chie. Ozoéa. Yeah. Comment? J'ai la classe. Bien. On est là? Enfin. Le week-end. Oui. Vas-y, on en parle. Vas-y. Toi. Oui. Tu as fait 3 prestations. Comment? J'ai fait 2. Non, tu as fait 3 prestations dans Miss, la finale de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Bon, 2022. Bon, oui, j'ai profité. J'ai fait 3 prestations. Oui, 3 prestations. Tu as fait 3 morceaux trois dans morceaux. 2 prestations. En 2 prestations. Donc, tu as reçu 3 cachets. Même Moreau. Même Moreau. Ça doit être dévaporisé. Ben, on y va. Déjà, je veux remercier le commissaire pour la considération. J'ai pu exprimer une fois de plus mon talent. Hein, et puis Zoku était là. Zoku était là. Il était bel et bien là. Il était là. Et j'ai fait parler de moi. Et merci à tous ceux qui m'ont laissé de gentils commentaires. Il faut envoyer l'agent. Même Moreau. Moi, je remercie mon frère Sai Sai, qui est un ancien rappeur et qui est arrivé chez moi, qui a refait la peinture. Qui a refait toute la peinture de ma maison, c'est-à-dire, il a fait la peinture, c'est-à-dire des chambres, les climats, des cuisines, les salles, X, toute la peinture. Merci beaucoup. On le dit merci, Karina, c'est pour ça que tu veux. Moi, je veux dire merci à la maman de Yann, notre styliste ici. Yann qui vous habille, vous les garçons. Par moment. Voilà, ouais. Par souvent. Moment. Souvent, oui. La maman qui vit en France, voilà, qui m'a invité à son domicile, j'ai bien mangé. Ouais, c'est merci ça. Beaucoup, maman. Ouais, t'as bien et mangé. Merci aussi à Kirikou Willy Nyaba. Le promoteur de spectacle, voilà. Le promoteur de spectacle à Karina Style, MNL Productions. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te fais plein de bisous. Alors, puis bonne guérison. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Hein, c'est lundi. Sinon, le dédicace, ça s'est fait devant. Pour clôturer cette série de dédicaces, je veux faire un big up à madame la première dame, madame Dié. Merci pour le soutien que tu es pour moi, chérie. Mais Moreau! Allons-y maintenant. This it. Pour et maintenant. Le sommaire. Au sommaire de Showbuzz de ce lundi 4 juillet. Ténor Eunice Zunon, Love est-il devenu vélo? On dépaporise ça. Baby Philippe se dresse contre la vie chère à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022. Pourquoi le chanteur a-t-il fait cette déclaration? On vous explique ça. Ils se font appeler le couple de l'année. Juste Crépin Gondo et Prisca sont les invités des autorités de la Papouasie. Retour en plateau. Sans plus attendre, découvrons ce qui fera l'essentiel de cette émission. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, wo, wo. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wo. Ozoéa. Yeah. Dis-moi. Dis-moi. Que se passe-t-il entre Ténor et Eunice Zunon? Salut. Si, c'était le week-end, non? Voilà, puis après, je travaille beaucoup. Il faut me mettre. J'ai dit que... Ce week-end-là, c'était chaud, hein? Toujours.
Mais c'est ce que Henry Zino a fait, a mis des messages sur sa page Facebook. Genre, ça ressemblait à Jean-Jean. Elle a cassé le cou de ténor. Elle ne peut pas nous dire ça. Elle nous a dit ça. Non, elle ne peut pas dire ça. Attends, elle était Lisa. Elle dit, si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie, je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire. Bon, ce voyage-là, c'est un voyage en France. Elle a refait, elle a mis encore un autre poste, ça c'était dans sa story, je pense, un truc comme ça. Elle dit, je ne peux pas avoir honte d'avoir aimé. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités. Au lieu de vouloir retenir la situation, Dieu merci, le bienfait n'est jamais perdu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quel genre de message, là? Ça voudrait dire que, eh bien, en bétain, c'est eh bien. Eh bien, c'est eh bien. Ça finit en elle et puis ténor. Mais ténor aussi, là, il a répondu. Est-ce qu'il a réagi? Il a réagi. Il dit quoi? Il a fait capture de la publication de Eunice, où elle dit, enfin, je suis libre. Le reste, Dieu sait. Il a pris, il a fait capture, il a posté, il dit, le reste, Dieu gère. Il y a une autre paraît-il. Il a fait encore, il dit tennis, parce que c'est un tenor tennis, ouais. C'est fini, malheureusement. Hashtag. Bon, la séance de dépaporisation est ouverte. Est-ce que vous pensez réellement que c'est fini? Ah, ça frappe. Mais laisse-moi finir ma question. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? Trop beau pour être. Aïe. Trop beau pour être. Vrai. Ceux-là, ils sont dans les buzz. Si tu veux mon avis. Oui. Ils sont dans les buzz. Comment, deux jours, ils ont parti s'asseoir en France, ça ne va pas trop de haut. Moi, c'est ce que je vois. Hein. D'accord. Mais ils ne sont pas prêts. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils ont fait là. C'est buzz. Le cœur de Patrick. Karina, elle est mariée. Toujours. Oh. Après ce qu'ils ont fait là, honnêtement. Bon, tu sais que ce qui va se passer, je vous explique le schéma. Ténor a un concert en décembre 2022. Ici, au Palais de la Culture. Mmh. Donc, c'est simple. Il faut créer un petit mouvement pour qu'on parle d'eux. Et puis, la réconciliation, la grande réconciliation va se faire au Palais de la Culture lors du concert de Eunice Junior. Il n'y a pas deux schémas. C'est simple. Je pense que vous êtes des experts. Lors du concert de qui? De Ténor. Oh, j'ai eu peur. De Eunice Junior. T'as eu peur de quoi? Cours intensif de chronogramme. C'est un lapsus lingué. Mais bon, si c'est vraiment fini entre eux, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'ils en arrivent là? Non, mais c'est pas, il dirait, moi, il ne peut pas te dire. Moi, je dis que ce n'est pas fini. D'accord. C'est frappe. On appelle ça. Ça ne peut pas finir. C'est pas fana. Petit, ouais, en fait, c'est pas fana. Ça ne peut pas finir. Voilà. Ça ne peut pas finir. Et puis en même temps, on connaît Eunice, on connaît Ténor, c'est qu'ils ont fini à communiquer. Voilà. Surtout Eunice, elle aime communiquer. Elle non, aime... ça ne prend pas. On est habitué. Ça ne prend pas, Gawa. On est habitué. Il y a des gens qui se plaignent du fait que Eunice annonce une telle nouvelle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si c'était vrai, là, tu pensais qu'elle allait exposer ça? Ouais. C'est passé, c'est pas vrai. Non, même si c'était vrai, elle allait exposer. Elle n'allait pas exposer. Mais si elle a exposé... Mais le love a été exposé. C'est ça, il te dit, quand c'est exposé, quand ça se gâte, là, ça dure d'abord avant de venir. Toujours. Tu sais, c'est quelqu'un qui allait sortir la mèche, quelque part dans un commentaire, et puis maintenant, elle est venue faire communiquer de... Donc, si je prends vraiment en compte vos avis, si je veux bien comprendre, eux, ils nous prennent pour Club Les Petits. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas fini, ça peut pas finir même. En fait, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. C'est impeuble, c'est infinissable. C'est pas le moment, c'est marié, nous on attend mariage. Quelque chose même, il y a rumeur de grossesse dedans de sa tante, t'as venu dire un matin, non, que truc. Donc, dans tous les cas, affaire à suivre de très... De très, 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 très près. Karina Stein. Karina Stein. Yo, Karina, hein. Karina, hein. Karina, on t'appelle. Karina, oh. Vous savez que ma voix est cassée au-delà. Tu t'es envoyé. C'est un lundi comme ça. Il y a des gens, il ne faut pas les suivre. Je t'ai toujours dit ça. Attention, vous parlez au président. Ah, mais je n'ai pas dit ton nom. Baby Philippe, fais parler de lui. Fais parler de lui. Samedi dernier, enfin, il a parlé de lui. Il a parlé de lui. Où tu étais? Il a parlé de lui, mais il a fait parler de lui. Tu avais parlé de toi. Il a fait parler de lui. C'est là-bas, il a fait parler de lui aussi. Il a fait parler de. Non, où j'étais? Moi, on m'a rien dit, mais on était là-bas, mais il avait parlé de lui. C'est le gros buzz. Le samedi dernier, lors de la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, Baby Philippe, invité pour une prestation, a profité de l'occasion pour dénoncer la vie chère en Côte d'Ivoire. On regarde cet extrait et on dépaporise juste après. De la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays.
Tout est devenu cher. Au marché, ça a devenu cher. Même pas qu'on fout a augmenté. Nous, on est pas là, ça. Donc, les autorités, science pour nous. C'est très important. Oui, Baby Philippe. Eh, moi, qu'on vous a viandé. Alors. On va se calmer. Voilà. Parlons de Yopougon. Karine, la première question que je veux poser, bon, quand il a dit tout est devenu cher, oui. Les gens ont jafoul. Ouais. Mais où ils ont encore plus jafoul, c'est quand il a dit même porc au fou. Donc les gens, le porc au fou. Pourquoi il a dit porc au fou, c'est viande, mais et tout le monde est porc. D'accord. Le cochon, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du ça message fout là, ça fout là. Oh, attends là-bas. Toi, je peux nous attendre de l'autre côté. MAUDIA. Qu'est-ce que vous pensez du message de Baby Philippe, Karina? C'est un message très fort, très fort. Moi, il retient qu'il a du cran. Parce que franchement, se mettre là devant tout le monde comme ça, et puis il dit ça comme ça, bon, on sait tous que tout est devenu cher. On sait tous que allez, là, l'acheter de la vie là. Moi, j'ai payé spaghetti, sachet de, excusez-moi, les pâtes, ça m'a fait 250 francs. Avant, c'était 125. Vous savez que moi, ici, adepte de... On dirait que toi-même, tu m'en fais des termes. Mais j'ai acheté ça hier, carrément, comme ça, c'est 250. Ouais. Hein, donc, j'achète 4 paquets, je me retrouve à 1000 francs, comme ça, facilement. Tu vois, et c'est vraiment, vraiment, tout est devenu vraiment cher. Mais bébé Philippe, il a du cran. Il a eu de l'audace. Ouais, il a eu de l'audace. D'accord. Ouais. Aux autres. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est pas nouveau. Les gens parlent sur les réseaux sociaux partout, les artistes, les influenceurs, tous les internautes en parlent. C'est une réalité. Ben, écoute, ouais. Il n'a fait que dire tout ce qui se passe. Il n'a fait que relayer une information que tout le monde sait déjà. D'accord. Mais il a vraiment eu de l'audace. Et puis après, c'est un artiste qui sait exprimer. Alors, la question que je vais vous poser, la finale de Miss Côte d'Ivoire était-elle le lieu pour Baby Philippe d'interpeller les autorités sur la vie chère en Côte d'Ivoire ou pas? Moi, franchement, ça me dit pas grande-chose. Hein. Moi, je me dis qu'on peut... Il pouvait faire ça partout. Là-bas, c'est pas un problème. Moi, je vois pas le problème. C'est un artiste, c'est la voix des 100 voix. Et il n'y a pas d'endroit propice pour décrier ce genre de problème-là. Donc, moi, je ne vois pas le problème. D'accord. Effectivement, je suis d'accord avec Madame la gouverneure. Avant de parler, il a dit, bon, toutes les caméras sont là. Ça veut dire qu'il est conscient du fait que il y a beaucoup de monde qui regarde, tout le monde presque, on va dire beaucoup de monde quand même, regarde la finale de Miss Côte d'Ivoire. C'est quand même quelqu'un qui va remplacer Olivia Yassé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ce buzz-là autour de l'événement. Donc, si tu veux toucher le plus grand nombre, c'est une belle opportunité. Voilà, sur Facebook, j'ai vu plus de 25 000 personnes qui étaient connectées. Tout le monde regardait partout. Il y avait plein de messages, de commentaires partout. Donc, quand tu passes ce message ici, tu es sûr que forcément, les gens vont en parler. Et d'ailleurs, on est en train de parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'il a atteint son objectif. Oui, la vie chère, effectivement. La vie est très chère en ce moment. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas. Ça concerne tout le monde. La vie est vraiment chère. Et c'est quelque chose qu'on a décrié depuis. On ne fait que parler de ça. Bien sûr. Et on veut vraiment attirer l'attention des autorités sur ce fait parce qu'elles-mêmes sont conscientes qu'effectivement, la vie est chère. Mais il faut aussi reconnaître que les autorités font ce qu'elles peuvent. Tu vois, elles sont vraiment conscientes. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ignorent. C'est chaud partout. C'est vraiment chaud. Mais je pense que les autorités aussi font des efforts pour que vraiment les choses redeviennent normales. Tu vois, le pays est en chantier. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous, les citoyens. Le pays est en chantier. Mais il y a un chantier plus important. C'est le panier de la ménagère. Ouais. Oui, c'est un chantier qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, chères autorités... Sur tout ça... Ouais. Vous faites des efforts, nous en sommes conscients. Faites encore plus. C'est-à-dire que surpassez-vous, parce que c'est vraiment chaud. Donc, tonton et tanti, sciencé. Hein, sciencé. Alors, vous pensez que Baby Philippe s'est fermé sur certaines cérémonies par rapport à son message aux zones, Karina? Non, moi, je ne pense pas. Peut-être que ça va se faire, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas pour voir. Mais moi, je ne pense pas que c'est utile. Hein. C'est un artiste. Il a le droit de c'est la voix des 100 voix, il a le droit de s'exprimer. Ouais, est-ce qu'il s'est fermé? Pourquoi, Moulou? Il n'a rien dit. Il n'a pas été vulgaire en plus dans ses paroles. Il a parlé posément, il a parlé tranquillement. Il n'a pas
il n'a pas agressé été, quelqu'un. Voilà, il n'a pas agressé quelqu'un, il n'a pas été dû. D'accord. Moi, je ne pense pas que ça peut. C'est sûr qu'il va se fermer certaines portes. Ça, il n'y a rien à dire parce qu'on est dans un contexte quand même un peu sensible. Ce genre de propos, ça va forcément toucher des gens parce qu'il y a des gens qui organisent un événement et tu viens lancer un tel message dans l'événement. Ce n'était pas prévu. Il n'y avait même pas que des Ivoiriens. Il n'y avait pas que des Ivoiriens, forcément. Le Miss Monde et tout ça. J'ai vu sur Internet, les avis sont partagés et c'est normal. Ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, tu vois. C'est normal. Donc, c'est clair que lui qui n'est pas d'accord avec toi, là, il ne va pas t'inviter dans son événement. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est un artiste. Aujourd'hui, la musique, on en parlait tout à l'heure hors antenne, aujourd'hui, la musique est internationale, tu vois. On a, même si une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir pour toi. Lui, en tant qu'artiste, il doit rester professionnel, il doit rester concentré, il doit bien s'entourer, il doit s'organiser pour contourner ces difficultés-là. D'accord. Parce que ce sera forcément une difficulté pour lui s'il y a des gens qui ne l'invitent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc il s'attendait. Il sait que, quand avant de dire ça, là, il était conscient que forcément, il y a des gens qui n'allaient pas être d'accord avec lui. Ouais. Donc, ça fait partie des risques. Oui, en tout cas, parlant de risque, c'était vraiment risqué, mais il a fait. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est-à-dire que dans le fond, ce n'est pas mauvais ce qu'il a fait. Il a lancé un message, ok, on est d'accord dessus. Mais si autour de ce qu'il a dit, s'il y avait un élan de solidarité, si après la sortie de Philippe, des célébrités, des influenceurs sortaient aussi pour renchérir, pour renchérir les propos également. De... Voilà. Renchérir les propos de Bibi Philippe, ça aurait été génial. Hein? Ça allait avoir un poids, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, c'est chaud. Tu vois? Il y a deux choses dans ce que tu dis là. Il y a deux choses. En fait, s'il y avait un engouement, tous les artistes parlaient, s'il y avait. Ça aurait pu, je veux dire, avoir. Bon, ça allait faire bouger les choses. Ça pouvait faire bouger les choses, mais ça pouvait avoir un autre effet. Oui. Tu vois, ça pouvait avoir un effet politique. Des gens pouvaient récupérer ça pour rentrer dans d'autres choses qu'on n'allait même pas pouvoir maîtriser. C'est clair. Tu vois. Ouais. En même temps, ça aurait pu être quelque chose qui allait pousser, qui allait faire bousculer les choses, qui allait arranger tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment délicat ce genre de situation. Vous êtes des citoyens ivoiriens, ivoiro-papouas. Ok, dans ce genre de circonstances, quand on a mal parce que la maman n'arrive pas à aller au marché ou tout est devenu cher, qu'est-ce qu'on fait pour se faire entendre Nous qui sommes par exemple artistes, qu'est-ce qu'on fait pour les artistes font déjà. Quand tu écoutes les albums de Magic System, de Yodo et Siro, quand tu remontes même plus loin, ça a toujours été comme ça. Depuis le temps d'Espoir 2000 jusqu'à aujourd'hui, et les artistes ont toujours... pas tous les artistes, ça c'est clair, mais il y a certains artistes qui décident de prendre le risque. Bon, je ne dirais même pas prendre le risque. Il y a certains artistes qui sont engagés, qui disent la voix du peuple. Ok. Il faut peut-être que beaucoup plus d'artistes parlent. Il faut qu'on les entende, il faut qu'on ose leur donner la parole quand il faut. D'accord. Voilà. Karina Ozone. Je pense qu'il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les juge, sans doute. Il y a d'autres artistes qui veulent... Oui, ceux qui n'en parlent pas. Non, c'est un choix artistique. Il y a des artistes qui sont venus pour faire danser les gens. Oui. Ils n'ont même pas envie de mettre leur tête dans des choses... De politique, de la vie échelle. Pas politique, les trucs de société. Il y a les artistes, là, eux, dans leur plan de carrière, ils ont choisi de ne jamais dire que le ciel est bleu, la terre est ronde. Ça ne les intéresse pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, là, c'est de mettre de la musique, mettre des... Les feuilles. Danser, prendre les feuilles, aller s'enjailler, c'est tout. Par contre, il y en a d'autres qui sont dans cette logique-là. Il y a des gens, des artistes, qui, dès qu'il y a un buzz, font sortir une chanson. Oui. Mais cette fois-ci, là où on est. Là. Tu veux parler de VDA On n'a rien entendu. Il y a un papa qui demande où est passé VDA pendant qu'on parle de la cherté de la vie. VDA, là. Ça. Tu sais, un jour... Il y a quoi commencer VDA, là. Non, VDA, là, c'est ce qu'on fait un jour. On allait les attraper. Vous dites, chantez. On les envoie en studio. Chantez. Hein? On met un arrangeur, on écrit le texte là pour eux. Et puis on chantait. Pourquoi ils sont restés silencieux? C'est ça. Question à 1000 euros. Ça fait deux fois, hein? Ils font le tri des buzz. Ah non, c'est un buzz. Ah non, ça marche pas. C'est un buzz. Je vais ici, parce que eux là, si buzz peut se passer à minuit, et puis on dit 6 ans, c'est réveillé, il y a la chanson. Il y a clip même déjà. Oui, c'est parce qu'ils préparent leur concert.
Ah non, ça n'a rien à voir, mais je lui ai dit même... Ça n'a rien à voir. Non, 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 ça fait deux fois. Hein. Au contraire, mais t'inquiète, ils ont fait ça, le concert, machin. Là, justement, même, ils ont évité José et Seridi. Oui. Là encore, ils évitent la cherté de la vie. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire que vous triez. On les attend. On les attend. Il n'est pas encore tard, hein. Ressaisissez-vous. Allez en studio, sentez le morceau. Il prépare un concert, je pense que très prochainement, nous allons parler de ça. Parlons à présent du concours Miss Marlène Kanikwasi, Miss Abouasso, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2022. Elle succède à Olivia Yassé et le public est déjà dans la comparaison. Est-ce qu'elle pourra faire comme ou mieux qu'Olivia Yassé? Elle ne peut pas, mais j'espère. C'est tout ce qu'on veut, quoi. Mais Olivia, là, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que dans le Miss, la même, elle vient pour tous les points. Oui, mais c'est la bombe Marlène. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ozone. Hein? Non, il ne s'agit même pas de faire comme. Hein? Il fait plus. Non, même pas faire plus. Chaque Miss, depuis l'histoire de ce concours, chaque Miss vient avec sa personnalité, avec ses projets, avec ses rêves. Chaque Miss vient avec sa beauté. Donc je pense qu'elle déjà, elle est déjà élue Miss. Oui. Elle va forcément, moi j'ai lu des posts d'elle, je sens que c'est quelqu'un qui est très ambitieux, c'est quelqu'un qui va à l'école, elle est en master 1 de droit privé. Il y a beaucoup de choses, elle a encore la vie devant elle. On attend de voir, elle ne doit même pas chercher à faire comme Olivia ou quelqu'un d'autre, elle ne doit pas chercher à faire plus, elle doit juste être la Miss 2022. 2022. Je pense que c'est Olivia reste un modèle. Ouais. Et elle va s'inspirer de cette jeune dame pour faire parler d'elle. En tout cas, bonne chance à la nouvelle Miss. Et puis, on profite pour saluer aussi les Miss d'une certaine époque. Mimi Hermine, je me rappelle. C'est la Miss qui t'a beaucoup marqué. Je vais te donner ma réponse juste après la pub. Parce qu'après la pub, on a deux personnes qui se présentent comme le couple de l'année. Je parle de juste Crépin Gondo et Prisca. Maintenant, la position, on revient juste après. Deuxième partie de cette émission, vous regardez, vous suivez votre émission préférée, hein, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Pour répondre à ta question, la Miss qui m'a marqué, c'était Moucho Laetitia. Très moi belle aussi, femme. Moi aussi. Aujourd'hui, elle est chef elle d'entreprise. Toujours belle. Voilà, toujours belle. Ouais. Voilà. Si tu nous suis, Moucho Laetitia. Lisa Delon aussi, moi j'ai bien aimé. D'accord. Big up à toutes ces Miss qui ont crevé l'écran avec leur beauté. Il est temps de recevoir le couple de l'année. Juste Crépin et Prisca, en Papouasie. Juste Crépin et... Monsieur, madame, ou... qualité de... Merci, mon coach. Merci, Prisca, toi. Voilà, merci, bébé. Et alors, ça va? Ça va comment? Mais qu'est-ce que c'est? Prisca et Juste Crépin Gondo. Mais soyez les bienvenus. Merci. Merci de nous avoir amené Prisca. Ouais. Ça faisait un moment comme ouais. Toujours belle. Merci beaucoup. Voilà. Toujours belle et toujours belle. Et toujours beau. Merci. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler de votre couple. Oui. Mm-hmm. On parlera de notre couple. Parler de Papo, vous concernant. D'accord. Il y a Papo. Il y a Papo. Je ne sais pas si j'ai venu à Zemgoua. D'accord. Voilà. Ah, on dit quoi? On dit quoi, Oli? D'accord. Face à toi. Juste Crépin, tu connais bien la Papouasie. Bien sûr. Hein, on n'a pas eu besoin de vous accompagner ici. Mm-hmm. Donc, tu connais aussi les règles. Hein, si. Voilà. Vous deux, vous allez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. On le jure. J'ai gire. Bon enfant. Hein. Alors, avant de démarrer notre interview, j'aimerais avoir votre avis sur l'actualité. Le message de Bébé Philippe. Ben, c'est un artiste qui réfléchit, donc s'il estime que c'était le bon endroit pour lancer son message, il l'a fait, il a bien fait. Le truc, il ne faut pas que ça s'arrête là. S'il veut se faire un porte-voix, il faut que ça continue. Il a 2,7 millions d'abonnés, donc c'est aussi un beau canal pour continuer sa lutte. D'accord, juste Oui, je pense qu'en tant qu'artiste engagé, il a saisi l'opportunité. On a vu ça sur d'autres yeux, hein, des gens qui ont eu à porter des combats comme ça. Mais ça aurait été moi, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Parce que je considère que le cadre n'était pas adéquat. Dans la mesure où je considère que c'est une entreprise qu'il a invitée. Et puis, c'est un événement qui était censé positionner la Côte d'Ivoire sur le côté de l'image, tout ça. Donc, c'était un peu... J'ai trouvé ça un peu bizarre. D'accord. Mais après, vous savez, si tu écoutes les Ivoiriens,
ils vont te conduire droit dans le mur. Mm-hmm. Faut pas se laisser abuser par les likes, par les vas-y, par les faire comme ça. Le jour où tu es dans Rambala, tu es seul en face des gens. Et là, on a vu, il n'y a pas eu un mouvement de soutien derrière. Et moi, je n'aime pas m'engager dans les combats qui sont perdus d'avance. Je considère que l'histoire de la cherté de la vie, on en a parlé depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut une alternative politique. Il faut que les gens qui sont assis sentent leur position un peu menacée pour qu'ils nous écoutent. Sinon, là, on a eu une opposition qui a donné roue libre à ceux qui sont assis, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous allez beau parler, ça vous a fait bruit. À la fin, ça a donné quoi? Matin, là, le prix est la même chose, malgré les bébés qui ont parlé. D'accord. Et les autres assis ne l'ont pas soutenu. D'accord. C'est vraiment ça, mon avis, quoi. D'accord. Merci, juste. Karina? Comment vous avez trouvé la finale de Miss Côte d'Ivoire? La finale était bien. Il y a le tonton qui est apparu comme dans Yatin, là. C'est ça, je n'ai pas compris. Là. Il y a un tonton, là. Il est apparu comme dans Yatin. Comment? Comme un esprit. C'est quel tonton, là? Il y a un monsieur, on ne sait pas où il est quitté. On dit il est là, il n'est pas là. Et puis, il est en train de parler comme au jugement dernier, là. Oui, oui. Tu n'as pas vu l'image? Il y a une go qui est venue en voiture, maison de sa tête. Un citoyen, toi. Madame Dienne. Ouais. Non, ah, c'était la femme de Moulou. Non, Madame Dieu, c'est mon épouse. Mais les gens disent que oui. Moulou Koukou, on a vu, moi j'ai vu des commentaires, on dit que c'était mal organisé. Toi, tu es tout, qu'est-ce que... Ouh, je pense qu'en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Là, le seul bémol que j'ai noté, c'est lorsque on essaie de boucher les trous ou bien de parer à la mauvaise organisation en faisant venir des artistes pour pouvoir combler. Là, on avait l'air d'être dans vous tempo. Vous envoyez les Moulou Koukou là deux fois. Non, c'est pas ça. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, faut pas un moment, Didier Bleu va faire. Y a-t-il du monde dans ce studio? Parce que ça ressemblait beaucoup à tempo. On a eu des mini-concerts qui ont été faits. Et ça, on n'était pas habitué à non, ça. Non, mais tant que les artistes peuvent apporter leur touche. Après, c'est du spectacle. Donc, on offre ce qu'on a. Puisqu'à toi, qu'est-ce que tu moi, franchement, je ne regarde pas Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je n'ai pas regardé. Ouais. Après, c'est sur les réseaux. De toutes les manières, elle, je la présentais comme Miss. Donc, après, c'est sur les réseaux que j'ai vu l'intervention de Baby et tout. Sinon, ce n'est pas quelque chose que je regarde. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais mon cas est venu à vous deux. Nous deux, on vous voit trop ensemble deux jours là sur les réseaux, pas, là. Un peu partout. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, la question, est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Non, avant pas quoi même d'abord? question. Avant qu'on dise, est-ce que vous vous connaissiez avant? C'est-à-dire qu'avant qu'on vous voit deux jours, est-ce que c'était comment avant? Non, on ne se connaissait pas. Je pense qu'on s'est découvert mutuellement sur les réseaux. Ouais. Et puis, un jour, il m'a contacté pour faire la promotion d'un artiste chrétien. Et puis, voilà. Après, on a commencé à parler et puis on s'est dit, pourquoi pas? On s'est trouvé des atomes crochus. Il est venu encore. Ouais, je suis fatigué, pardon. Si. Atomes crochus, on est là. nos âmes se sont accrochées. C'est ça. Yo. Mais artistiquement. Regarde. D'accord. Non, on n'a pas besoin de préciser. Okay. On n'a rien demandé. D'accord. Bah, enfin, quand vous postez vos vidéos... vous mettez le couple de l'année. Enfin, c'est ce qui ressort sur la page de Juste Crépin. Est-ce que, sérieusement, vous sortez ensemble? Ah non! Si, arrête. Crépin, en venant ici, je t'ai dit quoi? Mais dis la vérité. Mais dis la vérité aux gens. Crépin, arrête ça. Vous, une relation, on enlève, je suis dedans. Tu sais comment vous commencez? Oh, mais... Crépin, on est à la télé. Faut pas... Non, mais on sort pas ensemble. On sort pas. Ça, je le jure. On rentre ensemble. Je le jure sur la tête de nos trois enfants. On sort pas ensemble. Ah, de nos trois enfants. Il y a trois enfants dedans. Sérieusement, il y a rien de vous? Non, il y a rien, D'accord. Il y a des couples mythiques en Côte d'Ivoire qui ont marqué. Des couples mythiques, par exemple. On a eu Gazé Cagnon et Dieu Jessy. Adrien Coutouin. Et le vieux père. Zoumana. On a eu Clé et Bouiri. On a eu. Donc, Karina et Loge. Voilà. Clé et Gou. Et on a vu dans la nouvelle génération, il manquait ce genre de couple-là pour parodier un peu ce qui est vécu dans les couples à chaque fois. D'accord. De toute façon, c'est dit avec l'humour, avec le rire, le message, pas beaucoup plus sûrement, que voilà, d'être toujours dans une autre attitude. Donc, c'est ce qu'on a voulu expérimenter. D'accord. Et puis, moi, je l'ai regardé de loin et puis j'ai estimé que son esprit me plaisait. Parce que moi, on me voit rarement. Je marche rarement avec les gens du milieu. Pas parce que je ne trouve pas que ce sont des bonnes personnes, mais je suis tellement entière que je préfère me préserver. Voilà. Et j'ai aimé son esprit. En dehors des plateaux, je l'appelle mon grand frère. Je l'appelle rarement même Crépin. Et on a la même vision et on a la même foi. Donc on partage quelque chose de fort. Et il faut rappeler à tous les jeunes papouas que quand vous voyez cette dame-là, Prisca, quand vous la voyez, les gens de rap, ils voient là, quand vous la voyez...
au même titre que Ozone, hein, faites déposer comme ça, parce que c'est, elle a été la plus jeune rappeuse de Côte d'Ivoire. Elle avait 12 ans quand elle rappait. Voilà. Donc c'est pas camarade. Quand vous la voyez, c'est la reine mère. Hein. Quand vous voyez Nash, vous saluez. Quand vous voyez Prisca, vous saluez. Et Nash même. Nash même a commencé à faire le rap en écoutant Prisca. En écoutant Prisca. Donc Prisca a commencé à rapper avec Almighty et tout, tu vois. Donc c'est une doyade. Parlons de rap. Il y a quoi, Karina? Tu ne rappes plus? Tu ne peux rapper? Tu ne peux plus rapper? Tu ne rappes plus? Tu ne rappes plus? Écoutez, moi je trouve que... moi je ne suis pas le genre de personne qui aime se fermer dans un cadre. Je suis une artiste et j'aime me définir comme un arbre qui porte plusieurs fruits. Attention. Amen. Amen. Voilà, un arbre multifruitier. Si je suis sur votre plateau aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'aptitude du caméléon. D'accord. J'ai pu... Non, pour nous, duquel tu rappes toujours. Mais laisse-moi te dire. La multifruitilisation... Aujourd'hui, elle n'a pas fini. Je ne comprends pas. Elle n'a pas fini. Voilà. J'ai commencé avec des gens qui, aujourd'hui, peut-être parce que ces personnes ne se sont pas renouvelées, elles ne sont plus d'actualité, malheureusement. Donc, un moment, j'ai vu que, voilà, je pouvais être humoriste grâce à Zongo, à Dibo Cravate, à Maman. Et puis, je suis une petite femme forte qui ne recule pas devant les défis. On m'a lancé les défis, je saisis. C'est pour nous dire que tu ne rappes plus. En ce moment. Mais moi, la question que je dois te poser, d'accord, mais quand tu dis que y a des gens, tu marches avec des gens qui n'ont pas su se renouveler et qui ont. Qui n'ont pas pu. Qui n'ont pas pu. Tu veux parler de qui? Non, je. Écoutez, je suis de l'époque de Almighty, oui, bien 97. Sûr. Dites-moi combien de rappeurs de cette époque, avec tout le respect que j'ai pour eux, sont encore en activité sur la scène, même bien si c'est pas sûr. Musicalement non, parlant. Voilà. Donc plus. Je veux dire que moi, j'estime que c'est une grâce. Il y en a voilà. Plus, il y en a donc plus. Un moment, il faut suivre les flots. Tu comprends? Il y a ce que tu aimes et puis il y a ce que Dieu attendez, oui. C'est mélanger. Je dis, est-ce que tu peux rapper pour nous montrer que tu as ça encore? Yo. Aïe, je mets un beat. Et tout le monde sait par ici que je suis la vieille mère, ouais, et celle qui va toujours plus loin que ses adversaires, mon flow nouveau équivaut à un haut niveau. C'est juste pour dire, everybody knows ce que je veux, ouais, sans prétention, je suis en compétition et ma mission, distribuer des corrections aux petits morveux qui se prennent au sérieux dès qu'ils sont sur le mic. Comme c'est ton bébé. Rappe un peu. Hein. Oh. Non, très souvent, moi j'applaudis. C'est le couple, chacun a sa particularité. Dans le couple, chacun a sa particularité. Moi j'applaudis, elle chante. C'est le public. Elle déchire toujours. Ozone Justement, tu rappes toujours, ça fait du bien de voir ça. Merci. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire? Bah, il a évolué, il s'est rajeuni et voilà, les jeunes, je veux dire, ils évoluent avec leur temps et leur époque. Qui suis-je pour... En tout cas, moi, je reste puriste. Tu la connais? Oui, je connais en tout cas les grosses têtes, puisque je ne suis plus vraiment en immersion dans le mouvement. Par qui, par exemple, tu kiffes? On connaît Didi B, Nash, ma sœur, Oprah, la jeune génération, Mosty, et voilà, Abomé, et tout ça. Voilà, les gens qui font vraiment parler de sur les réseaux. Vous avez déjà eu à vous rencontrer Mosty, la jeune génération? Mosty... Si, j'ai déjà rencontré. Mais il y en a, je ne sais pas s'ils me connaissent. Et si un plus jeune aujourd'hui demande un feat avec toi? Franchement, je ne suis plus très rap. Même musicalement, j'ai enregistré des chansons, mais j'ai muté artistiquement parlant. Donc, je ne suis plus très rap. Mais il y a longtemps quand même que tu as commencé ça aussi. Hein, Je chante avec 12 plus. Ans. Oui. Voilà, ça fait plus de 25 ans. La chanson même, quand tu dis que tu as muté... Chanter. Ouais, oui, non, mais c'était en prélude à ma mutation totale. Mais là, maintenant, c'est vraiment total. Un album, vous allez m'en... que j'ai muté depuis mon dernier album. J'ai sorti mon dernier album en 2009. Ça fait combien d'années tu rappes plus? Que je rappe plus? J'ai sorti mon dernier album en 2009. 2009, ouais. Voilà, donc depuis 2009, je suis plus vraiment... Parlant de mutation, depuis un moment, tu es à fond dans l'humour. Donc, yeah. Donc, ils disent que c'est parce que ça ne va pas dans le rap que tu...
chercher des filières. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça ne va pas dans le rap, parce que je sais qu'il y a encore des amoureux du rap pur. Pur, ouais. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je suis hyper active. J'aime vivre de nouvelles expériences. Je n'aime pas fuir. Quand une situation se présente devant moi, j'aime me montrer capable de la surmonter, de l'affronter et tout. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est perpétuellement en mouvement. Donc, si on n'a pas cette capacité d'adaptation, on meurt. Donc, moi, je me suis dit, OK, d'accord. Je suis allée au Mali pendant la crise. Yeah. Donc, musicalement parlant, ça a baissé un peu parce que j'étais plus animatrice télé là-bas et tout. Donc, voilà. Après, j'ai fait un concept avec Zongo. Ça a plu aux gens. Je me suis dit, ma petite, si t'es intelligente, surfe sur la vague. Et c'est comme ça que j'ai surfé sur la vague. Et pour vous dire, l'humour est beaucoup plus difficile que la musique. Voilà. Donc, si j'étais dans la facilité ou bien si c'était, j'allais rester dans la musique. Mais après, il y a quelque chose que tu dégages. Voilà. Si, après, tu on n'est pas dans l'humour. Tu es bon, t'es pas bon. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu fais toujours ton business de... Garba? Tu sais que t'avais un restaurant, moi j'ai mangé dans ton restaurant à Yopougon, à l'époque, et tu vendais poisson aussi. Je suis une business girl. Mais tu vends quoi en ce moment? En ce moment, je suis plus dans la parfumerie et dans les vêtements, voilà, en ce moment. Okay. Mais ça se voit là, parce que t'as bien présenté là. Merci. C'est bon en plus. Ouais. Donc, c'est la même là. Lui et puis moi, on doit te mettre dans le camp des humoristes. Moi, désormais. Je suis partout. Je suis chanteuse et je suis. Pour en chérie. Voilà, pour en chérie. Je suis une artiste. Également. Voilà, et je suis actrice aussi. Oui, d'accord. Je suis animatrice. Je suis tout. Pourquoi il vous voulez exploser, me. Il faut exploser, c'est normal, il faut exploser. Mais quelqu'un qui parle beaucoup comme ça, tu ne veux non, pas après, tout je ça. Dis, non, je dis. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle a. Voilà, elle a fait ressortir les codes enfouis dans son âme et c'est bon, elle présente bien. Coup intensif. Coup de quoi? Coup d'enfoui. Alors, oui, aux autres. Juste, oui. Ça va? Ça va, très bien, ça va? Ok. Pardon, faut me répondre doucement. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Voilà. On va essayer. Ok. Maintenant, on te voit faire des vidéos humoristiques sur les réseaux. Ouais. Tu es devenu humoriste aussi. Toi aussi, tu as beaucoup de codes à ton âme. Non, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Lorsque tu as un talent protéiforme... Lorsque tu as un talent protéiforme, il faut l'exploiter au maximum. D'accord. Vous savez, moi, je suis chrétien. Et il y a un passage de la Bible où il était dit qu'il y a quelqu'un qui allait enfouir ses talents. Il y a des gens à qui Dieu a donné 5 talents, 10 talents, autres. Moi, je considère que un talent inexploité, c'est une opportunité gâchée. D'accord. Et quand Dieu te donne beaucoup de talents, protéine. Du coup, d'écoute intensive. Ah, tu l'as dit, protéine. Protéine forme. Donc, il faut être capable de les exploiter au maximum. On a commencé depuis longtemps les varétoscopes et consorts, on a fait. Après, on a lâché un peu. Ah bon? Et puis, je me retrouve dans un truc où j'aime écrire. D'accord. Moi, j'adore écrire. D'accord. Je pense au van, j'écris. Et il fallait des personnes pour jouer. C'est vrai que peut-être les films ne sont pas encore sortis. De quoi ça comme un protéiforme là? Oh. Vas-y, juste vas-y. Je ne vois pas ça ici. Juste vas-y. Bébé parle. Je veux dire que mon dico papa n'est pas bon. Allons-y. Donc, j'avais besoin de trouver une personne à laquelle on va collaborer. D'accord. L'avantage de Prisca, c'est que on écrit simplement, souvent on pose en one shot. C'est-à-dire qu'on vient, on a fini de lire, qu'on fait action, on joue jusqu'à la fin. Je me dis que être acteur, c'est pas mal aussi. On écrit, on découvre des choses. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je serai certainement ma troisième représentation parce que j'ai fait deux spectacles d'humour en stand-up où j'étais seul. Super. Attends, j'ai dit, attends bébé, attends, j'ai dit. Et... il a joué au Pullman, il a joué au Pam Club et toujours c'était affiché. On fait pas de pub, le service commercial. Tu connais Marie-Jouelle? Pardonnez, tu connais Marie-Jouelle? C'est qu'est-ce qu'il a joué? Intensif d'abandon en Papouasie, il a laissé pour téléphone. Oh, c'est pas grave. Pour téléphone, ça veut dire quelque chose qui est capable de prendre plusieurs formes. Qui peut prendre plusieurs formes. Donc ça se dit. Pour téléphone. Il faut laisser ça. Dans la troisième partie de cette émission, cher Papoua, on va poursuivre notre causette avec Juste Crépin et Prisca. Et puis, on va vous donner aussi des informations sur la tournée de Magic System en Europe. C'est juste après ceci. De retour pour la troisième et dernière partie de ce premier showbuzz de la semaine. Nous sommes en compagnie du couple de l'année, Juste Crépin Gondo et Prisca. Le petit marteau qui casse les gros cailloux, la mini-cooper, la fraîcheur, la grande femme de 1,60 m, la présidente de l'association des femmes coûte qui pleure vite.
Voilà. Hein? Show news. Ok, je vais parler donc de cette grosse tournée du groupe Magic System. Donc après 2 ans d'interruption due à la pandémie Covid-19, donc le groupe Magic System repart en tournée. C'est donc depuis le 17 juin dernier. Voilà, ils sont dans toutes les villes, dans toutes les villes de France. De France, on va regarder cette vidéo déjà et on dépaporise ça. On va couper le show ensemble. C'est quoi? C'est magnifique show du groupe Magic System. Alors, mon avis, Soprano qui avait les rejoindre sur scène parce que c'est quand même ça, c'est chez lui, c'est à Marseille. C'est à Marseille. Ça m'a fait plaisir de voir Ogi Solo de dos. On a reconnu Ogi Solo de dos. Enfin, je sais que Asalfo suit toujours Showbuzz, mais grand frère, ça dit que avant que vous n'arriviez, on peut pas vous annoncer directement. Ça dit que moi, par exemple, je peux déjà mettre le show en première partie. Vous entendez Non, c'est prévu pour la. Lui-même, Molo là, lui-même, il s'est manager. On a vu Soprano. Oui, Soprano qui était sur scène, on a vu, tu vois le public, hein, c'est Marseille. C'est les pleins sur vraiment chaud au cœur de voir les magiciens. Et c'est pas que cette date, il y a des dates comme Lyon, là on vient de voir Marseille, Paris, il y a même Kigali au Rwanda, Beyrouth au Liban et la Belgique aussi. Wow. Donc la tournée prendra fin le 7 octobre 2022 à Fribourg en Suisse. Donc ils vont faire le tour. Le 7 octobre. Oui, le 7 octobre, oui. Ah, ouais, c'est possible que je sois avec eux. 2022. Donc, il faut, on ne cessera jamais de le dire, c'est aujourd'hui le groupe qui représente réellement, en plus de tous les autres artistes, ils font vraiment plaisir. Ça, c'est un autre niveau, là, voilà. Une autre échelle. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, on est fiers. On est tout simplement fiers. Oui, c'est un modèle de réussite, on est tout simplement fiers. Et puis pour la Tabaski, on sera avec Afou Keita à l'espace Canal au Bois pour un gros concert. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça. Vous connaissez Afou Keita, ses performances vocales, c'est beaucoup d'énergie sur scène. Il faut aller voir ce concert de Afou Keita. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y aura beaucoup de vitamines ce jour-là. Portez vos boubous aussi, blancs. Beaucoup de maquillage aussi. Ouais, on t'a demandé quelque chose. Beaucoup de quoi? Dans quel maquillage? Alors, vous préparez... Ozone, merci déjà pour les informations. D'accord, merci. Vous préparez quelque chose, un spectacle. Vous nous en parlez? Juste? Oui, un spectacle prévu le samedi... Le 23 juillet. 23 juillet. Cette fois, c'est un spectacle. Parce que souvent, les gens disent, on s'en fait one man show et puis ça devient... Beaucoup de sketchs qui sont collés là, c'est pas ça. D'accord. On s'en fait spectacle. On vit pour lancer des pics. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je disais, il y a assez de talent, il y a assez de surprises, mais si je dois vendre un peu la mer, c'est qu'on va avoir du slam, on va avoir du rap, on va avoir de la danse, on va avoir du chant, on va faire balayer. Beaucoup d'humour. Que vous deux? Du stand-up, nous deux. Ouais, nous deux. Avec des guests. Principalement, peut-être des petites entrées de guests. Ouais, sinon. Quand je dis peut-être, ça veut dire que c'est pas sûr. Non, c'est sûr. Il y aura des guests pendant notre spectacle. Qui travaille vos mises en scène? Bon, on a une équipe avec laquelle on travaille. Et je vais dire que c'est un peu tout le monde. Hein. Moi, j'appelle Zongo pour avoir des idées, des points de vue. Lui, il a des gens. Donc... La nouvelle génération, je les appelle aussi. Voilà. C'est bien de prendre des avis, d'associer tout le monde. C'est bien pour la beauté du spectacle. Et... À quoi doit-on s'attendre après? Après le spectacle, pendant le spectacle. Après le spectacle, je dis pour vous deux, parlons de vos perspectives. Suite. Pour le moment, on est focus sur le spectacle, donc on ne va pas parler après spectacle, on va parler spectacle. Donc, on veut juste demander aux gens de venir parce qu'on a envie de faire monter le niveau. Voilà, ça sera du travail, ça sera très synchro, comme je suis multi
talent. Donc, il y aura du chant, il y aura du rap, il y aura de la danse. Souvent, aura... je demande parce que, après, bon, t'as vu avec Almighty, après, bon, yo, 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 ouais. Et toi-même, donc, il faut bien mais que je demande. Mais pourquoi tu es séparé ce que Dieu a uni? Qu'est-ce on fait? Est là, mais pourquoi tu te laisses? Après le spectacle. Ça sera encore le spectacle. Mais il y a des demandes. Ah, d'accord. Et puis d'accord. Je demande, c'est pour les Papouas. Oui, pour... oui, oui. Ah, bah, oui, ouais, oui. Les Papouas. Hein. T'as jamais fait de one woman show? Non. Tu comptes faire Oui, je compte faire. Je suis signée dans une maison, donc il y a un programme qui a signé plusieurs artistes. Donc, I'm not pressing, so okay, I take my okay, time okay. And I work. OK. Je remarque aussi de la synergie, hein. Je remarque que... Là, regarde, là, vous êtes habillée en kaki foncé, kaki clair. Mais en plus l'habit que je lui ai montré hier, là, c'est vert olive que je lui ai montré. Mais comme je sais qu'il fait un peu froid ici parce que c'était un démembré, voilà une veste sans manches, j'ai dit non, ma petite, il ne faut pas aller trembler sur le plateau là-bas. Et puis j'ai mis ça. Baoulé, c'est pas contenir ses émotions. Oui, mais il y a ici. Il y a une qui est tombée dans l'affaire de Miss. Hein, bon. Prisca et Juste Crépin. Écoutez... Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir en Papouasie, beaucoup de plaisir à partager à travers cette émission. Merci pour ce que vous faites déjà pour la culture. Il faut lancer l'appel pour Dieu vient de venir. Toi, faut faire. C'est ce que j'allais commencer. Bon, faut faire. Cher Papouas, chère Papouase, l'appel est lancé. Mm-hmm. C'est une obligation. C'est un ordre. Amen. Amen. Laisse-moi me dire que vous devez tous aller soutenir le 23 juillet Juste Crépin et Prisca. Des questions? Non. L'esprit me dit aussi qu'il faut soutenir les artistes, il faut soutenir les personnes qui créent. Mm-hmm. C'est important. Les tickets sont à 10 000, VIP, VIPPP, 20 000. Le service marketing est là. Tu connais Marie-Jouelle? Mais aïe! Non, Marie est venue le 23 juillet. Oui, toi et ton mari, Juste Crépin, vous serez en spectacle. D'accord. Mais c'est où déjà? Au palais de la culture. Le service marketing est là. Au palais de la culture, là, pas de problème. Dans la salle où on fait le palmant du riz, la 600 place. La 600 place. C'est conduit au bouclier. Ok, d'accord. Bon, il y a trop de. Moi. Salle climatisée fermée. Vous, okay. La pluie ne doit pas vous frapper. D'accord. Bonne chance pour la suite de votre carrière, puisque tu es ensemble. Et puis, revenez nous voir quand vous pouvez. On est en Papouasie. Karina. Ozone, merci. Yes, cher Papouas, chère Papouase, ainsi prend fin la séance de dépapourisation de ce lundi. On se dit à demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie du chantre Timothée. C'est dans Showtime. Prenez soin de vous. À demain. Peace. Je chante ton nom, papa. Je glorifie le Christ. Des cieux, j'élève la voix de mon pays. Je glorifie Adonai et je glorifie mon Seigneur. La joie qui m'anime est si grande. Quand le Christ est avec moi, il me bénit. Car Jésus est avec moi, il me console. Je suis heureux de le louer. Je suis heureux de l'adorer. Je le ferai partout, partout, partout. Yeah. Je le ferai partout, partout, partout. Yeah. Je le ferai, ferai, je le ferai. Je le ferai dans ma vie, papa. Je louerai papa toujours dans mon existence. Car il est avec moi partout, partout, partout. Yeah. Il me l'aime à l'eau. Jésus, on m'en gagne, toi, pas même. Il m'aime à l'eau, oh, oh, il m'aime à l'eau, oh, oh, il m'aime à l'eau, je chante, il m'aime à l'eau.
Sans toi je ne suis rien.